je m'appelle Thierry Kosielniak, je suis le directeur national du numérique du Conservatoire national des arts et métiers. Je suis au CIR en tant que membre depuis 2003 et actif au conseil d'administration depuis 2014. Donc mon implication au CIR actuellement, à côté des projets du CNAM en cours, c'est travailler sur la journée technique, déterminer avec les membres du CIR la thématique de cette journée technique et l'organiser en tant qu'événement sur une journée. Ça s'est déroulé ces dernières années justement dans les locaux du CNAM. Ce que j'apprécie dans les assises, c'est pendant ce moment fort de rencontre, la sensation de faire partie de cette communauté des personnels qui travaillent sur le numérique dans l'enseignement supérieur, rencontrer des personnes depuis de nombreuses années qui sont devenues plus que des collègues d'autres universités, des amis. Et en particulier, évidemment, quand on est impliqué dans le conseil d'administration, sont vraiment des amis personnels qui sont devenus ses collègues. Et au moment des assises, c'est la possibilité d'avoir un programme qui balaie toutes les thématiques du moment intéressantes pour la mutualisation d'expériences. Des expériences qui peuvent être fructueuses, mais aussi c'est intéressant d'avoir des expériences et des retours sur les problèmes qu'on a eus, voire même des échecs. C'est très instructif pour tout le reste de la communauté. Donc c'est un moment qui se veut extrêmement convivial. Il y a le off des assises. On choisit des lieux avec une unité de lieu, c'est-à-dire que tout le monde doit rester sur le site du premier jour au dernier jour des assises. Et ça, c'est pour ça qu'on prend souvent des lieux qui sont un peu excentrés. Alors cette année, depuis que les assises ont commencé, il y a eu une petite nouveauté, c'est qu'au moment de la présentation, Emmanuel Vivier, la présidente du CIR, a demandé à tout le conseil d'administration de venir avec elle sur le podium, sur la scène, pour nous présenter. J'ai trouvé ce moment vraiment sympathique, puisque ça personnalisait à la fois les visages et les personnes qui font partie du conseil d'administration. Énonçait les différentes responsabilités que chacun a prises, et c'est important pour cette communauté où finalement il y a un noyau dur d'une quinzaine de personnes dans le conseil d'administration et parmi des bénévoles qui travaillent avec nous pour que à la fois les assises mais aussi tous les événements du CIR, la communauté, la mission de formation des personnels des universités soit une réussite tout au long de l'année.